Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. On va directement se lancer dans le vif du sujet sans plus tarder. Vous avez déjà bien dû voir sur le titre et vous savez exactement de quoi est-ce qu'on va parler dans cette nouvelle vidéo. Car nous enquêtons toujours sur les meilleurs conseils santé, les meilleurs remèdes naturels faits maison pour votre bien-être. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, activez toutes vos notifications pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos en temps réel. Aussi, vous pouvez aller juste dans la barre d'infos, cliquer sur le lien, regarder toutes nos vidéos ici au cœur du bien-être afin de voir toutes les vidéos que nous avons déjà partagées jusqu'ici. Alors mes amours, sans plus tarder, let's go! C'est venu comme un retour de flamme, c'est trouvé du mauvais côté. J'étais à fond, mais sans état d'âme, tu vas jouer, je n'ai rien capté. Nettoyez vos poumons, éliminez le mucus de la gorge, traitez la toux, la grippe, le diabète, les problèmes de tension artérielle avec cette infusion. Cette infusion est faite d'ingrédients que vous pouvez probablement avoir chez vous ou que si vous n'en avez pas, ils sont faciles à obtenir. C'est une infusion préparée avec de l'ail, du gingembre, du citron, de l'oignon, de la cannelle et plus. Aussi simple que cela puisse paraître, les propriétés médicinales de ces ingrédients font de cette boisson un puissant remède à la maison qui offre de grands avantages pour une bonne santé générale. Elle a une grande capacité à nettoyer les poumons. Cet avantage est attribué aux propriétés décongestionnantes, antioxydantes, détoxifiants, anti-inflammatoires, antibactériens et antiviraux de ces ingrédients. Les composants décongestionnants du gingembre, de l'oignon, du citron et autres se chargeront de desserrer le mucus, ce qui à son tour facilite et accélère son expulsion. Les composés antioxydants et détoxifiants des ingrédients contenus dans cette infusion se chargeront d'éliminer les toxines et les résidus nocifs qui peuvent s'accumuler dans les poumons. Ces composés anti-inflammatoires vont réduire l'inflammation que peuvent provoquer les mucus et les toxines. Et les puissantes propriétés antivirales et antibactériennes de cette infusion permettront de lutter contre différents pathogènes qui peuvent pénétrer dans vos poumons par les voies respiratoires et les combattre ou réduire considérablement leur prolifération avant qu'ils ne commencent à causer des dommages. Sa teneur élevée en vitamine C et en d'autres composés nutritifs importants, notamment le magnésium, le calcium, le fer, le potassium, les flavonoïdes, le folate, le phosphore, la vitamine A et les composés du soufre, entre autres, il donne à cette boisson la capacité d'augmenter la production de globules blancs, ce qui augmente considérablement les défenses de l'organisme et renforce le système immunitaire. Cette boisson s'est avérée être très efficace pour lutter contre la toux, éliminer les maux de gorge, traiter d'autres maladies respiratoires, traiter le diabète, traiter l'hypertension artérielle, éliminer les déchets, les toxines de l'organisme et bien plus encore. Ingrédients, nous aurons besoin environ de 100 g d'ail, de 100 g de gingembre, de 100 g d'oignon. Nous aurons besoin d'un bâton de cannelle et nous aurons besoin également de 2 citrons. Le premier citron, nous allons très bien nettoyer, le découper, rajouter à nos ingrédients qui seront également très bien nettoyés et découpés. On va mettre dans une casserole, on va rajouter 2 litres d'eau. Directement quand le mélange veut bouillir, on va directement arrêter le feu, on va servir. On va rajouter à l'intérieur de ce qu'on a déjà servi le citron restant. On va rajouter également une cuillère à soupe de miel pur 100% naturel si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez consommer votre boisson ainsi. Pour ce qui est du mode de consommation, vous allez consommer 2 ml le matin à jeûne au réveil. 30 minutes avant chaque repas, vous consommez un verre. Et le soir, 1h30 à peu près avant d'aller au lit, vous allez consommer 2 ml encore. Vous allez consommer ainsi chaque jour pendant 21 jours pour vous débarrasser définitivement de ce problème
respiratoire pour être à mesure de constater des changements radicaux sur votre taux de sucre pour ceux qui sont diabétiques. Pour ceux qui ont tout autre problème de santé, que ce soit les problèmes de calcul rénaux, vous allez constater également des changements radicaux sur votre santé. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie énormément pour votre soutien. Vous savez à quel point votre soutien est très important pour moi. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Commentez-la si vous avez quelque chose à ajouter. J'aimerais également savoir depuis quel pays vous regardez cette vidéo. J'aimerais vous lire dans les commentaires et vous laisser des cœurs. D'ici là, prenez soin de vous, mes amours. N'oubliez pas également qu'il est très important de partager cette information au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider bien d'autres. On va se prendre dans une prochaine vidéo. Vous pouvez également aller me soutenir sur ma nouvelle chaîne YouTube Suzanne Bonda Blog où je partage mon quotidien avec vous. Là-bas, on sera encore plus proches que jamais. Je vous laisse avec les vidéos recommandées. Bisous, bisous. Bye bye.